Bien l'émission Solidaire d'abord, et aujourd'hui on s'était dit avec Denis, c'est Denis surtout qui était porteur du projet, qu'on allait essayer de vous donner les clés pour comprendre un minimum les compétences qui sont allouées aux différentes collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un conseiller régional, qu'est-ce que c'est un conseiller départemental, qu'est-ce que c'est un maire, quelles sont leurs prérogatives et comment ça fonctionne. Mais avant tout, on a un invité de luxe. Alors, bonjour. Marc. De luxe, de marque, je ne sais pas. Disons, mon nom est une marque, oui, Lacoste. Donc je m'appelle Alain Lacoste, j'ai 68 ans ou 67 ans, pas encore 68, mais j'y serai cette année. D'accord. Donc je deviens un vieil homme. Je suis père, grand-père, et j'ai été maire de Saint-Julien-Lucerne. D'accord, tu as voilà. Été maire. Un mandat. Un mandat, un oui, seul mandat. Le jour où j'ai été élu, j'ai dit, écoutez, je ne ferai qu'un mandat au nom du respect de la démocratie, parce que je pense qu'il ne faut pas être un maire ventouse. D'accord. Ou un élu ventouse. Un élu ventouse. Bon, ok. Mais alors, là, justement, sur cette expérience extraordinaire, être maire, je pense quand même que c'est très particulier. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en retiens? Toi, en tant que maire, comme expérience personnelle déjà, et puis après on verra les compétences, ce à quoi tu as eu affaire par rapport à financement, région, département, etc. Mais d'abord toi. Alors je pense que c'est une belle expérience. Moi les gens me l'ont demandé, et je pense que c'est important, parce que parfois on peut, disons, s'appréhender maire sans en avoir forcément... disons les charismes, donc c'est important le regard des autres, pour moi c'était un tous les cas important. Ouais. J'avais jamais vraiment réfléchi, disons, à être maire un jour, mais d'autre part j'aime aller, disons, au fond de mes convictions, et, puisque je crois en la démocratie, et puisqu'on me le demandait, te l'a demandé en fait. On me l'a demandé, voilà, oui, un collectif plus ou moins me l'a demandé. D'accord. Et donc, j'étais juste à la retraite. Alors, vraiment, au fond, j'avais pas trop envie. Ouais. J'étais en retraite le samedi et j'ai été élu le dimanche. Je crois qu'on l'aurait mis sur ordinateur, on n'aurait pas fait mieux. Ouais. Voilà, donc j'ai accepté, parce que je pense que, oui, qu'il faut, disons, on ne peut pas toujours crier au loup, disons, dans son coin, et oui. Pas accepter de prendre des responsabilités. Ouais. Et je pense que c'est... c'est une belle fonction. Par contre, oui, souvent les gens me disent c'est un peu épuisant. Ben oui, c'est vrai que il faut être là 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24. Oui. On peut déranger à tout moment. Hein. Quelqu'un meurt sur la commune parce qu'il se suicide ou pour une autre raison, on est demandé. Le dimanche, on peut partir. Ah, il peut oui. se passer quelque chose sur la commune. Surtout dans les petites communes, je pense. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'agent, disons, tout s'arrête, mais le maire est toujours là, quoi. Donc, on appelle souvent le maire. S'il y a un problème dans le village, un problème divers et varié, il y en a toujours, qu'il y a un groupement de gens qui cohabitent, il peut y avoir des soucis. Le maire, et puis le maire a aussi une fonction, il doit être présent, disons, dès qu'il y a même des réjouissances. Hein. Donc, il faut que c'est un personnage qui doit être présent. Il y a presque une astreinte, enfin, c'est ça ce que tu entends. Alors une astreinte, oui, disons une astreinte, où c'est une fonction, c'est-à-dire il est là comme un père de famille doit être là, le maire doit être un personnage présent, il doit avoir le souci de chacun, et du bien-être de chacun. Il faut sûrement faire partie de beaucoup de diplomatie et de médiation pour arriver... Alors oui, il faut être capable d'écoute. Et
pour comprendre. Il faut parfois être capable aussi de dire non, hein, parce que c'est important. Il y a des gens qui parfois vont trop loin, donc, et justifier pourquoi on dit non. Mais oui, il faut être capable de diplomatie aussi. Oui. Ne pas rentrer dans les... parfois il y a des conflits, on peut être mêlé à certains conflits, donc il faut rester... dans une certaine neutralité, c'est-à-dire... Garder du recul pour... Voilà, savoir prendre du recul, ouais. Savoir prendre du recul, il faut parfois savoir aller dormir après et prendre sa décision le lendemain. Ah ouais. Oui. Ben, réagir à chaud, il ne faut pas le faire, quoi. Bon, il faut faire attention. Moi, je sais que je peux réagir à chaud, pas forcément à bon escient ou le regretter le lendemain. Donc j'aime bien prendre une nuit de sommeil. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil, j'y crois très fort, oui. Oui, je crois que c'est important, parce que bon, il faut se méfier, il peut y avoir des trompe-l'œil, hein, c'est un peu comme en peinture, il faut faire attention, on peut voir qu'un angle, et puis une personne vous dit autre chose, on voit la chose différemment. Donc il ne faut pas oublier qu'on est quand même un conciliateur, un artisan de paix. Oui, le maire a ce rôle-là, oui. Je pense, oui. 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 C'est important. S'il ne l'a pas, à mon avis, il passe à côté de quelque chose. Ouais. Il est là quand même pour rassembler les gens, créer une unité de village, et il n'est pas là pour quand même que les gens se disputent. Alors, donc, fonction du maire, déjà, rassembleur. Rassembleur, alors, oui. Ouais. Alors, après, quelles sont justement les prérogatives qui sont données aux conseillers régionaux et départementaux? Parce que tu comprends bien que comme il va y avoir ces élections dans pas longtemps, c'est ça l'objet un peu de cette émission, non pas du tout de prendre parti pour qui que ce soit, mais d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est la démocratie. Alors toi, à ta place de maire, forcément, tu en as eu un aperçu. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi un conseiller départemental? Qu'est-ce que c'est un conseiller régional? Quel impact il a sur une commune? Et voilà. Moi, je rencontrais, ces gens souvent dans des réunions, enfin souvent, pas très souvent. Nous avions plus qu'un même de réunions communales, mais bon, de temps en temps, il arrivait qu'on rencontre bien sûr les gens du département et les gens de la région. C'était surtout dans le cadre des subventions. Hein. Donc on rencontrait aussi donc, les élus régionaux ou départementaux, mais je rencontrais aussi, et peut-être plus encore, les techniciens. Puisque c'est dans le cadre de... On tape aux portes hein, par rapport à un projet que l'on a, un projet sur sa commune, par rapport aux besoins de sa commune. Et là, il y a, disons, une nuance peut-être à faire entre les, disons, les projets et les désirs. Oui. C'est-à-dire les projets, disons, à bien définir les projets, hein, il y a vraiment des choses, disons, qui sont d'importance pour sa commune, et pour la vie de la commune et pour le bien-être de chacun. Et le désir, c'est un peu le caprice. Je le souligne parce que c'est important, c'est un peu le caprice de nos sociétés de consommation. C'est-à-dire des aménagements auxquels on peut être, par exemple, poussé, mais qui ne sont pas forcément... d'une grande importance, quoi. On voit qu'il y a des modes dans les communes. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de salles polyvalentes, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de lieux de sport, mais il faut faire attention, disons, dans nos petits villages. Moi, c'était ma philosophie de ne pas trop nous endetter, parce que trop nous endetter, c'est nous priver de liberté. Oui, il y a longtemps, il y avait eu une mode, il fallait que chaque commune ait son petit court de tennis, par exemple. Voilà. Hein, et on voit... Je pense à ça, mais c'était il y a longtemps, ça. Et on voit dans beaucoup de petites communes, je suis allé en Auvergne, là, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu un court de tennis dans une petite commune qui était complètement à l'abandon. Ah, oui, oui. Donc, le truc, c'est qu'il y a des aides qu'on met sur un sport, parce que, voilà, un élu a... une tendance plus pour ce sport que sur l'autre. Et du coup, ben, y a des aides et les communes ben, sont tentées à y aller pour chercher l'aide, pour leurs habitants, et après ils se retrouvent avec des infrastructures sportives qui sont plus adaptées à la commune. Voilà, donc il faut que le maire, disons, ben là aussi, il faut qu'il réfléchisse, parce que c'est quand même, disons, l'argent public. Hein. Et donc c'est pour ça que je faisais cette hiérarchie au départ entre les besoins et les désirs. Hein. Quels sont les besoins de ma commune qui sont super importants? C'est-à-dire il faut que les gens, par exemple l'eau, on a besoin d'eau sinon. Donc il faut absolument
avons une relation avec le CEBA, ici c'est le CEBA, hein, donc des relations privilégiées par rapport à cela. L'habitat, hein, veiller à ce que les gens soient plutôt dans un habitat correct, il peut y avoir de l'habitat vétuste sur une commune. Donc voir toutes ces choses qui sont du domaine du besoin, et du besoin primaire, disons, indispensable à tous. Et il faut déjà, disons, combler, essayer de combler, disons, cette justice de tous les citoyens. Et le maire doit avoir ce regard d'une justice sur l'ensemble de ses citoyens. Alors, j'ai essayé de, d'éplucher un petit peu l'argent qui était disponible suivant les collectivités. Et donc, pour l'Ardèche, par exemple, en gros, hein, en faisant court, on dispose à peu près de 1 000 euros par citoyen à l'année. Enfin, c'est de ça dont le député peut, voilà, ce qu'il a dans son portefeuille. Au niveau de la région, c'est à peu près 500 euros par habitant de la région. Puisque les budgets respectifs, alors, au département, c'est 400, un peu plus de 400 millions. 400 millions. À la région, Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous, hein, 4 milliards à peu près. Donc là, on passe au-dessus, mais comme il y a beaucoup plus d'habitants, évidemment, que juste sur le département, ça fait à la sortie 500 euros à peu près par habitant pour la région. 1 000 pour le département, et pour faire simple, à peu près 1 000 pour la mairie par habitant. Donc c'est quand même beaucoup d'argent à gérer, effectivement, et comme tu disais, c'est de l'argent public, donc voilà. Voilà, il faut le gérer, disons, oui, il faut toujours gérer avec beaucoup de rigueur, sans accorder trop d'importance à l'argent, puisque l'argent n'est qu'un outil, mais quand même avoir une certaine rigueur par rapport à cela. C'est-à-dire veiller, comme je disais tout à l'heure, à hiérarchiser besoin et désir. On est dans une société de consommation, donc on est complètement pollué dans nos sociétés. Et on n'arrive plus vraiment à avoir désir et besoin. Donc il faut qu'on arrive à discerner tout cela. C'est assez compliqué, il faut le reconnaître. C'est assez compliqué. Tu avais des questions sur l'agriculture, hein, de... Oui, sur l'agriculture. Quels sont les pouvoirs qu'a le Conseil général sur l'agriculture, sur les aides qu'il faut accorder sur... Oula, alors là, moi, je ne saurais pas trop répondre. Le Conseil général, le Conseil départemental, donc maintenant, par rapport à l'agriculture, je ne sais pas s'il y a une... disons, une intervention directe, j'aurais tendance à dire, mais je peux me tromper, que c'est peut-être plutôt l'État, avec le ministère de l'Agriculture, qui intervient. Parce que il y a encore, effectivement, une autre, comment dire, poupée gigole. Oui. Donc il y a une poupée de plus, c'est l'État. Mais on ne parle pas, évidemment, dans ces élections-là. Ils ont du pouvoir, quand même, sur les impôts locaux. Pour l'agriculture, je parlais, de baisser les impôts locaux en cas de calamité agricole, ce qu'ils font des fois, hein, à cause, mais là on a vu le gros coup de gel qu'il y a eu là. Normalement, en général, il y a des exonérations sur l'impôt sur les terres agricoles. De l'Ardèche, excuse-moi, je te coupe, Denis, au niveau de l'Ardèche, ça a été très impacté quand même, ce gel. Parce que là, on ne l'a pas développé à l'émission. Mais... Non. Alors, je sais que les agriculteurs ont des dossiers à remplir en mairie, hein, mais ces dossiers sont peut-être l'émanation plus de l'État. Il me semble, mais je ne sais pas. C'est peanuts, hein. Le département de l'Ardèche a touché 250 000 euros d'aide pour le gel. Tout réparti sur les agriculteurs. Donc, ils n'ont touché pas grand-chose, pour dire rien du tout. Donc Denis reçoit 250 000... Le département. Oui, le département. Et de la région. De la région. L'État verse à la région, la région verse au département, voilà. Et la région a versé 250 000 euros à chaque département. C'est un peu les poupées gigognes. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire l'État a fait une somme à la région... Oui. Enfin, c'est vrai qu'on n'en sort plus, et encore on n'a pas parlé de la communauté de communes. Il y a encore Alors, oui, il y a encore les communautés de communes.
Alors là, tu disais justement, tu avais un exemple pour nous parler de la façon dont les communes sont reliées, en fait, hein, pour une route qui passe d'une commune à une autre. Ça, c'est les communautés de communes. Alors, nous, au niveau de Saint-Julien-du-Cerf, oui, on dépend toujours de la communauté commune du bassin de Benin. Et au niveau des voiries, oui, alors les voiries sur une commune, elles dépendent soit du département, si c'est des routes départementales. Sur ma commune, j'avais des routes départementales, donc là, c'est le département. Et nous avions des voies de la communauté de communes, intercommunale. Et là, il y avait un petit règlement, c'était une route qui reliait un village de la communauté de communes à un autre village de la communauté de communes et qui passait par ma commune, hein, oui. Où j'étais maire. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple, une route passait sur ma commune, qui partait par exemple de Saint-Privat et qui allait vers Saint-Andéol-de-Valse, hein, en passant par Saint-Julien-du-Cerf, était entretenue, là, dans ce cas, par la communauté de communes. Après, les autres voies qui étaient sur ma commune étaient dans le budget de la commune de Saint-Julien-du-Cerf. Donc en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est compliqué la gestion du territoire, en fait. Hein, c'est ça. Et là, on se retrouve avec des élections démocratiques où on ne sait pas vraiment quelles sont les prérogatives des gens qu'on va élire. Hein, en gros, c'est un petit peu ça quand même. C'est un peu curieux qu'on n'ait pas plus d'informations officielles sur... Qu'est-ce que c'est la gestion d'un budget pour la région, pour le département, pour la communauté de communes, pour les communes, etc. Le citoyen lambda ne le sait pas vraiment, tout ça. Ben oui, il n'y a pas forcément une formation. Alors, il pourrait y avoir des formations à l'école. Hein. Ça fait partie des besoins que je voulais dire. Voilà, hein, de dire, ben voilà, il y a l'État. Qu'est-ce qu'un État Qu'est-ce qu'un État souverain, hein. On pourrait éventuellement parler de l'Europe, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, nous dépendons de l'Europe. Et puis parler aussi, bien sûr, des communes, des communautés de communes, et des regroupements de communes, même, puisqu'aujourd'hui, depuis Balladur, donc c'est pas vraiment d'aujourd'hui, il y a une volonté de regrouper les communes. C'est-à-dire que nos communes... Les agglos de communes. Voilà, ça ferait, on perd nos communes, qui des fois perdent leur nom, et puis... Oui. Se contracte sur une nouvelle... Oui. Cette volonté centralisatrice de rassembler les communes, quelque part, elle est moins démocratique aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec moins de gens en proximité qui peuvent agir sur un bien commun. Voilà. Oui, et puis c'est aussi une perte de services publics, souvent, hein, puisque il y a quand même un secrétariat de communes dans toutes nos communes. Qui est bien présent, et lorsqu'il y a un regroupement de communes, il n'y a plus des petites permanences éventuellement tenues. Donc la personne âgée qui n'a pas de moyen de locomotion, comment fait-elle? On va lui dire qu'il faut aller sur Internet. Alors bien sûr, il y a tout l'argent que tu nous disais qui est amené par le département pour tout le côté social, hein, puisque là, il y a quand même une grosse enveloppe. C'est une très grosse enveloppe du département, hein, tout ce qui est social, c'est-à-dire les APA, les AH, enfin, ça doit être très important au niveau d'enveloppe budgétaire. Donc l'enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées, les prestations légales d'aide sociale, etc., le RSA, tout ça, c'est le département. Les PMI, tout ça, oui, bien sûr. Et puis, il y a un gros budget, c'est les collèges. Et les collèges aussi, oui. C'est un gros budget, les collèges, c'est très important, et c'est vital pour un bassin de vie. Bien sûr, tout comme le sont les écoles, puisque les communes, disons, ont la gestion de l'école. Primaire. De l'école primaire, oui. Donc du bâtiment, hein, et du fonctionnement aussi, c'est-à-dire s'il y a une cantine, c'est la commune qui assure... le fonctionnement de cette cantine, qui embauche le personnel et qui gère, les locaux et tout le matériel, de la cantine. Oui, alors que les collèges, ça dépend du département. Alors que les collèges, ça dépend du département, et les lycées, de la région. De la région. Voilà. Donc les collèges avec les cantines qui sont tout doucement amenés à consommer local. Enfin, c'est un vœu des agriculteurs, à consommer local et consommer bio. Ben oui, c'est...
C'est un vœu et un respect, je dirais, parce que si c'est bio et si c'est local, ça évite beaucoup de CO2 et puis c'est un respect humain. Oui, puis ça fait le bassin de vie. Et le bassin de vie vit. Voilà, le bassin de vie en profite oui. d'un retour sur investissement, disons, on va dire, sur les collèges. C'est parce que les collèges, c'est quand même un gros, gros budget. Ah, c'est énormément d'enfants, oui, bien sûr. Oui. Je ne connais pas, disons, les enveloppes, oui, mais peut-être. On va voir sur le blanc, c'est important. Il n'y a pas que le projet sur le blanc. Bien sûr. Il y a Laval, il y en a de mer, mais bon, les collèges, il y en a. Mais je beaucoup sur le département. Hein. Je crois que c'est très important, disons, de toute façon, qu'on raisonne aujourd'hui sur du local et sur du bio. Hein, en tout temps. Dans les besoins, je pense à l'alimentation. C'est vrai qu'il est important, dans le respect de l'homme, que l'homme puisse s'alimenter correctement. Voilà. Et puis après, bon, les cantines font beaucoup de polémiques, on les voit, entre le pas de viande, le pas ci, le pas ça, le pas de cochon, là. Ça fait énormément de polémiques, et c'est les hommes politiques, ils surfent un peu sur certaines choses qui ne sont pas tout à fait, des fois, un peu désherbantes, on va dire. Oui, ben ça peut arriver, hein. Alors, ça dépend des hommes politiques, bien sûr, mais c'est vrai que ça peut arriver, oui. Il faut, je crois qu'il faut être intègre et puis il faut être très conscient, disons, mais là on risque d'aller peut-être sur un autre sujet, mais je crois qu'il faut être très conscient, disons, de tous les problèmes écologiques qui demain, et climatiques, toucheront notre planète et donc toucheront l'humain et qui sont vraiment à nos portes, puisqu'en 2050, il y a des grandes chances, disons, qu'il y ait quand même des glissements très importants au niveau climatique. À mon avis, bien avant. Et sans doute en bas. Bien avant. Alors, les compétences partagées du département et de la région, je continue dans mon petit vélo, moi. Y a plein de choses sur ces compétences partagées aussi. C'est, bon, alors, tout ce qui est touristique, la culture, donc la culture qui est en ébullition en ce moment, hein, puisqu'il y a plein de lieux qui sont occupés avec des gens qui ont des raisons de poser des questions sur, justement, à la fois la loi chômage, puisqu'il ne pose pas que des questions sur la culture, mais aussi sur la précarité. Hein. Et puis, alors, compétences partagées, tourisme, culture, le sport, donc voilà, tout ce qui est aménagement, etc. Les promotions des langues régionales, ça c'est intéressant aussi. Et alors, je vois éducation populaire. Pourquoi ça continue? Ça existe toujours, l'éducation populaire? Là, je me fais un peu mauvaise langue. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment, justement, l'éducation populaire, qui était quelque chose de vraiment très, très important, très intéressant, est un peu passé à la trappe, non? Depuis quelque temps, on en... Alors, l'éducation populaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre, disons, dans ce panier, quoi. C'est ça, peut-être, qu'il faut qu'on arrive à définir. Au centre Le Bourneau, si tu veux, il y avait assez souvent des conférences sur plein de sujets. Ça pouvait être des conférences sur l'art, sur la langue, sur plein de choses, hein, sur l'histoire, et qui étaient dans le cadre de l'éducation populaire. Et ça, il me semble que c'est passé à la trappe. Autrefois, dans les villes, il y avait ce qu'on appelait les maisons des jeux et de la culture. Par exemple, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Comme tu dis autrefois. Donc il y a eu des choix culturels qui se sont faits. Sans doute. Sans doute, malheureusement. Et là aussi, ça fait partie d'un vrai besoin, je crois, la culture et l'éducation. Puisqu'on a parlé tout à l'heure des écoles, c'est du domaine de l'éducation. Et la culture, ce sont des choses très importantes, bien sûr. Et là, on l'a bien vu, disons, dans cette période Covid-19, le fait de ne plus pouvoir aller au cinéma, le fait de plus pouvoir aller au concert, et le fait de mettre même des comédiens et des artistes, disons, au chômage, hein, c'est-à-dire leur apporter la possibilité de créer, ou alors de vivre, hein, parce que je ne sais même pas s'ils avaient droit au chômage, je crois qu'ils avaient droit. Si, il y a eu une aide, justement, mais en même temps, les artistes n'avaient plus de sécurité sociale, c'est-à-dire s'ils étaient malades, pour faire court, une femme enceinte, problème, là, parce que, bon, peut-être une petite aide pour survivre, mais pas pour se faire soigner. Donc, c'est grave. Alors, Denis, une dernière question? Oui, c'est pour la région. Le pouvoir des régions, c'est les lycées. Lycées, même problème. Les cantines, manger bio, manger local, c'est toujours le même problème, que ce soit lycée ou collège. Que le bassin de vie...
fasse profiter, si finance le lycée, que le bassin de vie en profite. Et est-ce que vraiment les régions jouent le jeu? Alors, je ne sais pas si toutes les régions de France jouent le jeu. Je ne suis même pas sûr que notre région joue le jeu. Notre région, aujourd'hui, est-ce qu'elle joue le jeu du bio? Je ne crois pas. Il ne subventionne plus l'agriculture biologique. Il n'y a plus d'aide à l'agriculture biologique. Donc voilà, c'est si. Et il y a un problème donc, avec. Donc faites attention, on va voter pour quelque chose où on a l'impression que ça ne sert plus tout à fait le citoyen. Donc à bientôt. Je voudrais rajouter ça. Jean Covici, qui est un spécialiste du climat, dit que la plupart des politiques sont des nuls à ce niveau. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance. Au niveau des problèmes climatiques, et c'est pas des gens qui sont sensibles à privilégier, par exemple, l'agriculture biologique. Théoriquement, ils sont à des milliers et milliers de tout ça. Théoriquement, la politique, c'était prévoir, il me semblait, mais c'est plus le cas. Et anticiper. Anticiper. Allez, ciao, ciao. Bon courage, à bientôt.